Today we are back chatting in French. Yes, all in French. And what better topic to talk about than France, la France. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, where I help you improve your French in small and easy steps. Are you ready? So welcome here, leave your day behind and let's go. Let's learn some French. Si vous avez écouté les premiers épisodes de nos petites discussions, vous savez que nous allons parler juste en français dans cette vidéo. Pour vous permettre d'améliorer votre compréhension, d'entendre du nouveau vocabulaire, de nouvelles expressions, et peut-être aussi de découvrir de nouveaux points de grammaire que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à changer la vitesse de cette vidéo pour un français plus lent ou plus rapide. Vous pouvez faire ça en cliquant sur les paramètres en bas à droite où vous trouverez la vitesse de lecture. Si vous apprenez le français, je suppose que c'est peut-être parce que vous avez un faible pour la France, sa culture, son histoire, ces monuments, ces beaux paysages, et qui sait, peut-être aussi pour les Français. Alors, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de faire de nos petites discussions un voyage aux quatre coins de la France. Un beau thème pour vous exposer aux Français parlés comme en France, mais un peu plus lent. Ces petites discussions « Voyage aux quatre coins de la France » ne vont bien sûr pas couvrir tout ce qu'il y a à dire sur la France. Il y a tellement de choses à découvrir et explorer et à vous raconter. Et je ne suis pas une pro du tourisme. Mais en tant que Française, je peux partager avec vous mon vécu, mes souvenirs ou tout simplement mes impressions quand je pense à certaines régions de la France. Alors voilà. Mon ressenti personnel, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Nous allons faire ça une ou deux régions à la fois, pas plus. Une belle découverte à continuer au fur et à mesure de nos épisodes en français. S'il y a des régions qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je lirai vos suggestions avec grand plaisir. Pour commencer, peut-être une petite intro sur la géographie de la France ? La France métropolitaine est souvent appelée l'Hexagone à cause de sa forme qui ressemble un petit peu à une forme géométrique à six côtés. Il y a 14 régions administratives en France. Ce chiffre était de 22 avant une réforme administrative qui a pris lieu il y a quelques années et qui a un petit peu changé les choses. Chaque région est ensuite divisée en départements. Chaque département a un nom, bien sûr, mais aussi un numéro. 01, l'Ain, 02, l'Aisne, 03, l'Allier, etc. Je ne me rappelle plus du reste. Je ne pense pas que les enfants continuent à apprendre cette liste en France, mais c'est plutôt utile. Ce numéro de département apparaît dans votre code postal quand vous habitez en France, dans votre adresse. Et le numéro de département est aussi inclus sur les plaques d'immatriculation de toutes les voitures en France. La régionalité, c'est plutôt important en France. Nous n'avons peut-être pas autant de dialectes ou de langues régionales qu'en Italie, bien que certaines existent encore et sont utilisées. Mais les régions françaises sont incroyablement variées et très riches culturellement, du point de vue de leur patrimoine, des traditions et bien sûr de la gastronomie. Cette variété, ça fait vraiment la richesse de la France et c'est quelque chose qui est d'ailleurs plutôt célébré. Par exemple, le journal télévisé du Midi, qui est plutôt bien regardé en France, finit toujours par un petit reportage célébrant une tradition artisanale ou une façon de vivre de certaines régions en France. On peut remercier Jean-Pierre Pernaud, le présentateur journaliste,
qui a voulu commencer cette tradition pour redynamiser les différentes régions de France. Alors, allons faire un petit tour dans toutes ces régions que je n'ai moi-même pas toutes visitées. C'est un très beau projet pour moi aussi de préparer ces épisodes qui concernent les régions de France. Ça me permet aussi de voyager métaphoriquement et d'apprendre de nouvelles choses que je ne connaissais peut-être pas. Alors, on va commencer par le plus facile. Vous connaissez sans doute déjà la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parce que c'est une région tellement prisée par tellement de touristes. Elle est souvent appelée région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, et c'est une région très connue, sans doute à cause de la Côte d'Azur, the French Riviera, et son très beau littoral méditerranéen. Saviez-vous aussi que c'est dans cette région que se trouve la deuxième plus grande ville de France? Marseille, avec 1 600 000 habitants. Marseille, c'est une ville qui m'intrigue beaucoup. Pas forcément une ville où j'aimerais habiter, mais une ville qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et pour de bonnes raisons. Marseille a eu une réputation plutôt négative dans le passé, d'une ville un peu dangereuse. Une réputation dont il est difficile de se débarrasser. Se débarrasser de quelque chose, ça veut dire jeter quelque chose ou se libérer de quelque chose. Mais revenons à nos moutons. En ce moment, Marseille, c'est une ville très à la mode. Une ville avec des quartiers dynamiques où beaucoup de choses se passent. Et une ville où la culture du Sud est à fleur de peau. Par exemple, les quartiers de La Plaine ou du Cours Julien, Courju pour les intimes, font parler d'eux pour être des quartiers branchés. Ajoutez à ça le quartier historique Le Panier, le Vieux-Port et tellement plein d'autres endroits. Finalement, Marseille, ça donne vraiment envie d'une petite visite. Et puis si vous êtes à Marseille, vous êtes aussi à deux pas des Calanques. Des Calanques, ce sont des formations géologiques, souvent difficiles d'accès, et des eaux turquoises limpides et superbes, à surtout ne pas manquer. Allez, on quitte Marseille et on retourne dans la région PACA en général. Les belles plages, les champs de lavande, l'arrière-pays et son beau relief, l'accent charmant du sud, le chant des cigales, tout ça veut dire que la Provence-Alpes-Côte d'Azur reste une des régions chouchoutes des Français et des touristes du monde entier. Chouchoute, ça veut dire préféré. Bien sûr, puisque c'est une des régions les plus visitées de la France, ça veut dire qu'en été, c'est une région vraiment surpeuplée. Alors moi, je préfère le sud hors saison. Hors saison, ça veut dire en dehors de la période estivale, c'est-à-dire avant ou après l'été. J'ai la chance d'avoir une amie très chère qui vit dans un des petits villages parfaits de l'arrière-pays, Tourrette-sur-Loup. Et ça me permet donc de visiter hors saison et de voir le sud comme il le faut. Si vous allez dans la région PACA, quittez les bords de mer et les grandes villes et allez visiter tous ces petits villages de l'arrière-pays. Vous ne le regretterez pas. Mon amie a fait de toute cette beauté son travail et elle loue des villas dans les villages de sa région, de son coin. Je vous laisse un lien en description. La nourriture, la gastronomie de cette région est bien sûr spectaculaire. Des fruits tellement savoureux, du poisson frais, des légumes goûteux, mûris avec tant de soleil du sud, et les olives partout. Tellement, tellement de bonnes choses. Beaucoup trop de bonnes choses. Alors je vais vous parler de deux petites choses que j'aime beaucoup. Connaissez-vous la tapenade? C'est une pâte d'olive que l'on déguste généralement sur une tranche de pain pour l'apéritif. Pour ceux qui aiment les olives, c'est un délice. C'est d'ailleurs très facile à faire soi-même. Si vous avez envie d'essayer, je vous laisse une recette en description. Et la deuxième chose, ce sont les calissons. Vous connaissez les calissons?
Les calissons, ce sont des gourmandises, c'est-à-dire des friandises, une sorte de mets sucré qui vient d'Aix-en-Provence. Ils sont à base d'amandes et ont une forme très particulière et très reconnaissable. Si vous avez la chance de mettre la main sur des calissons, essayez, vous ne le regretterez pas. Ok, est-ce que je vous ai fait assez rêver? Alors continuons, mais en changeant d'horizon. Nous allons traverser la France pour aller tout au nord, en Normandie. Une autre région côtière, mais bien sûr qui va être très différente. Au revoir, la mer Méditerranée, et bonjour, la Manche. Si vous êtes à Paris, la Normandie, c'est juste un petit peu plus d'une heure de route, donc très accessible. Parler de la Normandie, c'est une belle occasion pour introduire le mot terroir. Le terroir. Vous connaissez ce mot? Terroir, ça veut dire the land, the soil. Mais surtout, quand on parle de terroir, on exprime un lien entre une région et sa production agricole typique, son savoir-faire local, et aussi les produits traditionnels qui sont tirés de ce savoir-faire. Le terroir en Normandie, c'est le beurre, la crème, le fromage. Merci les vaches normandes. Et quand on parle de fromage en Normandie, on parle en particulier du camembert, le fameux camembert, mais aussi du Pont-l'Évêque ou du Livaro, qui est un fromage un peu plus fort. Et puis, la Normandie, c'est aussi les fruits de mer, puisque nous sommes sur la côte. Et en particulier, les coquilles Saint-Jacques, qui sont souvent servies gratinées dans leurs coquilles, et c'est un délice. La partie fruits de mer des coquilles Saint-Jacques, ça s'appelle une noix de Saint-Jacques. Et la Normandie, c'est aussi et surtout sa très très belle nature, sa belle campagne. Une belle région authentique et aussi une région touristique. Le mont Saint-Michel, par exemple, qui est classé patrimoine de l'UNESCO. C'est le site le plus touristique de la Normandie. 53 jours par an, le mont Saint-Michel devient une île grâce aux grandes marées d'équinoxe. Il est dit que la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop. Et puis la Normandie, c'est aussi la côte d'Albâtre, avec 130 km de falaises, un paysage exceptionnel. Et il y a aussi de très belles plages en Normandie. Il n'y fait pas aussi chaud que dans le sud. Mais parfois, en été, les températures peuvent être très convenables. Un nombre de ces très belles plages sont devenus des sites historiques de grande importance, puisqu'il s'agit des plages du débarquement, le 6 juin 1944. Il y a aussi la plage de Deauville, qui est très connue dans le monde entier, grâce au Festival du film américain, qui entre dans sa 50e année en 2024. Deauville et la ville voisine Trouville sont d'ailleurs parfois appelés le 21e arrondissement de la ville de Paris. J'ai même vu un article qui appelait les deux villes les Hamptons de Paris. Un clin d'œil à la réputation de Deauville et de Trouville à être les stations balnéaires des Parisiens. La Normandie, même si c'est pour moi synonyme de belles campagnes et d'air frais, ne manque pas de belles villes et de très beaux petits villages. Par exemple, Honfleur, une petite ville portuaire qui a été rendue célèbre par les peintres impressionnistes. La grande et belle ville historique de Rouen et bien d'autres encore. En tout cas, pour moi, la Normandie, ça reste synonyme d'un grand bol d'air frais. Un grand bol d'air frais, c'est une expression qui veut dire un endroit où on peut prendre de l'air, mais ça exprime aussi un petit peu un changement, un nouveau souffle. Alors, comme vous le voyez, la Normandie,
c'est vraiment un écrin, un joyau de petits coins de la France qui est peut-être un petit peu méconnu. Une région qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on prenne le temps de la connaître. Une de mes chaînes YouTube préférées s'appelle How to renovate a château without killing your partner. C'est une chaîne en anglais bien sûr. Elle est filmée en Normandie près de Honfleur. Je la recommande chaudement. Voilà, deux belles régions de la France, une tout au nord et une tout au sud. Toutes les deux avec des paysages époustouflants et pourtant tellement différents. Et toutes les deux avec des spécialités culinaires dignes de la France. Avez-vous visité la région PACA ou la région de Normandie? Racontez-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a fait un petit peu voyager et que nous aurons l'opportunité de nous retrouver pour discuter ensemble d'autres régions de la France tout en apprenant le français.